Au niveau de l'histoire, où c'est que j'en suis dans Dark Souls? Donc j'avais buté les deux gros boss qui m'ont bien pété les couilles, hein, je peux le dire. C'était assez difficile, j'ai dû farmer comme pas possible pour améliorer une épée afin de leur foutre plus de dégâts parce que c'était vraiment risible ce que je leur faisais. Et vu comme ils sont assez tenaces, fallait quelque chose quoi. Merde. Du coup, je les ai butés. Attendez, faut que je mette le casque d'une certaine façon. Vous allez peut-être m'entendre un peu plus lointain. J'ai pu les buter, mais enfin voilà, je me suis presque arrêté là. Je me suis fait un loup, le loup dans la forêt. Ça, c'est la dernière chose que j'ai faite, quoi. Après, j'avais pas eu le temps d'y jouer puisque bon, j'étais enfin, au Stunfest. Le week-end dernier, tout ça, et puis après en semaine, c'est un peu difficile avec le taf, quoi. Faut quand même être en forme pour ce jeu. C'est pas forcément facile. Alors, attends, je vais baisser ça. Voilà, donc mon perso il est un petit peu mieux, enfin un peu plus amélioré qu'au dernier live. Normal. Et donc j'ai essayé de faire des zones. Et là j'ai buté l'hydre aussi hier soir. Je suis allé buter l'hydre dans le bassin de Noirsouche. Et j'ai retrouvé mon pote. Mon pote avec qui avait une grosse. Alors en fait c'est une dent de dragon, celui qui m'avait fait peur durant le dernier live là. Et qui m'avait one-shoté la gueule. Alors là, je suis à Anor Londo. Alors je sais pas ce que je vais faire. Je sais qu'il y a un chemin qui est en haut à gauche. Alors il y avait Adrien qui m'avait conseillé de faire plutôt la nouvelle, quand c'est New Lando, c'est ça le nom? Enfin là où il y a des fantômes. Mais il y a un autre chemin aussi que j'aimerais me faire là, donc je vais peut-être commencer par ça plutôt. De toute façon il y a, je crois qu'on est assez libre à ce niveau-là. Pour l'instant, je vais tout réparer. Ça, je le fais toujours, je sais pas, par comme ça me pète à la main. J'ai pas fait le pacte avec le chat, je l'ai pas vu le chat. Il est dans la forêt aussi. J'ai buté des chats, enfin des chats à moitié dragon là, je sais pas trop ce que c'était. C'était mignon mais ça fait mal. Non là je comptais buter, enfin continuer par là quoi. Niveau de l'équipement, bon bah j'ai une claymore, enfin si pour ceux qui sont curieux. J'ai une claymore de foudre plus 5, donc boosté à mort quoi. Je pense pas qu'on puisse aller au-delà. J'ai un peu de pyromancie. Là, j'ai pris un nouvel arc. Celui de Faris, c'est un voleur là, qui se trouvait dans la forêt. Bouclier de l'aigle, bon, ça me plaît, mais je peux pas faire de parade. Mais en même temps, bon, j'en fais pas tant que ça. Grande flèche, puis là, j'ai foutu tout ce qui était chevalier d'argent à part le casque. Puis là, j'ai gagné pas mal d'anneaux. Donc, anneau du loup, c'est bien pour la balance. Comme ça me permet de pas être contré. Et ça, c'est ce qui permet de dropper facilement des objets. Bon, je résume vite fait, hein, parce qu'il y a tellement de choses, hein, j'ai appris tellement de choses sur ce jeu, il est super riche, hein, ça c'est clair. Et au niveau des stats, j'ai énormément, enfin énormément, je booste surtout l'endurance, parce que bah, j'aime beaucoup pouvoir taper plusieurs fois, ou alors surtout être léger, enfin léger, pouvoir porter du poids sans être handicapé par justement la lourdeur de l'équipement. Putain, je vais m'en faire un là. Ça fait longtemps que je me suis pas fait un garde comme ça là. Attends, avance parce que quand il y a les deux, j'aime pas trop par contre. Il te faut une épée noire. Ah, les chevaliers noirs, tu parles là? C'est à la fin ça. Ouais, hop. Alors attends, ce que j'aimerais c'est qu'il fasse son coup de bouclier, voilà, comme ça. Ça fait mal. Ils se prennent beaucoup plus de dégâts comme ça. Alors, un truc que je fais aussi très rarement, c'est de jouer en ligne. Parce que j'ai joué 2-3 fois en ligne et à chaque fois je me suis fait envahir et ça me casse les couilles. Ça me saoule complètement parce que bon bah les gars ils sont là et puis ils te butent. Après, je pourrais faire un combat contre eux, mais c'est pas ce que je cherche quand je fais une partie. J'essaie d'avancer l'histoire plutôt.
Donc, bon, je ne vais pas être dérangé par cela. De toute façon, pour jouer online, il faut être en humain. De ce fait, j'utilise pas, quoi. Pas pour les deux boss où là j'avais utilisé un PNJ pour pouvoir buter les deux parce que fallait absolument qu'il s'en occupe d'un, quoi. J'y arrivais vraiment pas, quoi. En fait, on m'entend bien là au micro parce que comme j'ai mis le casque, c'est assez bizarre. Donc, soit le micro est trop proche, soit trop loin, quoi. Premier chevalier noir du village des morts-vivants. Ouais, mais ils repopent pas, eux, si? Parce que je m'étais fait un chevalier là qui était en bas, là qui gardait l'anneau. Je crois qu'il permettait d'augmenter la défense si t'as des PV assez bas. Putain, c'est quoi ça? Attends, là par contre je connais pas trop. C'est quoi ce couloir là? Attends. C'est quoi ça? Ah, c'est un sanglier. Merde, attends, ça par contre je sais pas si je peux les buter encore. Voyons. Oh, puis merde, de toute façon. On est là pour jouer. Oh putain, ça me suit bien! Allez hop, on se nourrit. Tiens, prends ça dans le cul. Putain, il a pas aimé. Putain, t'en fuis pas! C'est bon. Casque défense de sanglier. Bon, bah, c'est un bon truc. T'as pas fait celui de la tour. Celui qui était tout en bas là, celui qui donne le truc d'Avel là, je crois. Je sais pas, ça donnait un anneau, je crois. Ouais, l'anneau d'Avel, c'est celui-là. Il y avait celui-là, il y en avait un qui était au sommet d'une tour aussi que j'avais buté, mais bon, ça m'a rien droppé. J'aime pas trop quand il y a des couloirs comme ça. En général, il y a quelque chose là. Oh merde, ça va falloir s'affronter plusieurs fois contre ça. Voilà, ça c'est bon. Ah, il y a un feu. Et hop. Je sais pas si ça va repopper le sanglier derrière moi. Normalement, oui. Ouais, c'est ça, d'accord. Mais bon, le farming, des choses comme ça, je le ferai plutôt. Vers la fin plutôt parce que l'épée noire c'est si bien que ça, enfin est-ce qu'il y a besoin? Moi je trouve que la clé mort elle fait déjà bien mal quoi maintenant. Bon, après il y a sans doute mieux quoi. Tu te diriges vers un donjon de la folie. On va bien essayer quoi. Ah salut macaque, bah non en fait j'ai pas fait les fantômes. J'avais vu qu'il y avait un truc à faire à New, enfin pas New London mais à, putain, à Nord Londo je crois que c'est ça. J'ai l'impression que t'es libre, tu peux faire n'importe quel donjon en fait. Donc du coup, je voulais me tenter celui-là, mais peut-être que je suis trop faible pour le faire. Bon, on verra bien. Hein. Si vraiment je galère, je me téléporte et je ferai les fantômes, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est des chevaliers de glace? Putain, par contre, j'ai vraiment plus de vie là. Alors, comment ça attaque ça? Ça, c'est super mal joué. Ouais, ça meurt quand même. Putain, ça m'a bien fait mal là. Attends, y a des golems de glace à droite là.
l'impression qu'il y a quelque chose qui l'a fait, qui l'a fait repopper. Je sais pas ce que c'est ce truc au centre. Oh putain. Attends, lui il m'a pas vu. Putain, mais je sais pas d'où ils viennent, hein. Ouais, non, mais ça c'était, ils étaient à noire souche aussi. Hein. Il suffisait de faire ça et ça avait one-shoté. Bon, bah, j'étais apparemment trop loin pour ça. Putain, je vais crever. Ouais, normal. C'est pas grave, je suis pas loin. Je vais en chier, mais à quel niveau? Parce que bon, ils sont tous. Enfin, tout est dur de toute façon. Parce que les monstres de glace, là, je sais pas trop, là. C'est là, je sais pas d'où ils viennent, mais ils sont vifs. Oh putain, c'est où, hein? Ouais, bon, si j'en chie trop, ok, je ferai donc les fantômes. Si c'est plus conseillé, quoi. Je vois que dalle. Putain, je vois que dalle. Putain, c'est chiant, bordel. Cette caméra rapprochée, quoi. Bref. Je peux pas commencer encore là-dessus, mais. Alors, ils sont où là? Parce qu'il y en a tout le temps 5000 là qui sont planqués. Voilà, il y en a un autre là. Lui, ça vise même pas. Ok. Bon, lui, on va pas se faire chier. Allez, hop. Allez, viens là, le nounours, putain. Oh putain, tu te fous de moi là, tu le touches pas là? Bon, ok, laisse tomber. On va bien qu'ils descendent parce qu'avec l'autre qui essaie de me shooter là-bas, j'aime pas trop quoi. On va le forcer à venir alors. Hop, comme ça. Fantômes. Putain, vous avez chacun votre avis quoi. La zone des fantômes me fait faire des cauchemars. Bah, en fait, je sais pas, j'ai pas beaucoup hein, en même temps de d'items là pour les fantômes. Donc, je vais voir ça. J'ai ça. Les crânes. Non, c'est pas les crânes élégants. C'est ça là. J'en ai que deux en fait. Malédiction fugace là. Je serais pas allé très loin. Qu'est-ce qu'il fait lui? Putain. Oh. Bon, ça se one shot bien ça. Arc long, ok. Je prends mon temps pour ce genre de truc parce que je pense pas qu'il soit seul. Putain, lui par contre il a de la balance. Ça l'arrête pas. Je sais, je crois que ça fait super mal là son rayon. Ouais, je me suis mangé là.
Fasse gaffe. À ce moment. Je sais pas ce qu'il fait là, il doit incanter quelque chose. Mais putain, ça passe à travers. Lâche ça. Bon, ça fait petit bras là, mais au prochain coup, si je crève, j'irai le faire plus rapidement là. C'est juste pour ce coup là. Parce que je vais voir ce qu'il y a autour de lui après qu'il soit mort. Putain, j'ai touché. Ah, mais il tire plus vite là, qu'est-ce qu'il a? Merde. Ça y est? Pour le plaisir. Ouais. Ouais, petit zob, bah, quelquefois. C'est cool aussi, quoi. En fait, il y avait personne. À part un là-bas. Ouais, non, c'était safe. Ah, je m'attendais à des gros une fois que tu rentres dans la salle. Ça aurait été chiant. Assez joli comme endroit. Encore bloqué. Pas toi, lui. Ah, putain. Secret là, je peux pas monter ça. Ok, bon, l'archer à la con, il est où? Attends, il y a lui là. Ah, c'est un archer ça. Allez hop, dégage. Bien, ce coup il est bien violent quoi. Archer, mais je sais pas où il est. Putain, je me suis fait toucher, mais... Ils doivent avoir une attaque frontale, je sais pas ce qu'ils font, mais ils font bien mal quoi. Un coffre, alors attends. Ouais, bah, oh putain, ça c'est chiant quoi. Tu cibles l'ennemi, mais quand t'appuies sur le lock, en fait, la caméra se fout devant toi. Ça c'est un truc, j'ai encore du mal à m'y faire. Tu fais chier toi. Ça faut éviter quand il te chope comme ça là. Putain, je vois rien, je vois que dalle. Ah, ça. Ça, j'ai toujours du mal quoi. Allez, c'est bon. Bouclier cristal chevalier. Je sais pas ce que ça vaut. Flemme de voir. Ah, attends, je lis un peu là. Joue quand même mieux que la dernière fois. Bah, merci, hein. Putain, venant de toi, merci. Je continue, faut te prévenir d'un truc. Non, faut pas. Là, l'enfoiré. Qu'ils mettent un anneau pour pas tout perdre. Bon, j'ai rien là, j'ai que 19 000 âmes, c'est pas. Si je perds, c'est pas dramatique non plus, hein. Franchement, tu farmes vite fait, hein, enfin 19 000. Tu peux le farmer à près des deux gros boss là. Les fameux chevaliers d'argent là. Par contre, si ça me fait perdre tout l'inventaire, ouais, ça serait un peu plus dramatique quoi. Ok, bon, ah si, il y a un autre coffre.
Super. Alors, attends, hop. Putain, mais. Je sais pas si ça compte pour un coup, ça. Non, c'est bon. Ah, ouais, en même temps, ça, je peux en acheter chez le forgeron là. Ah, bonne soirée, Zinraziel. Merci d'être passé. Et j'espère que ça t'a plu, quoi. Bon, Dark Souls, c'est peut-être moins ton truc. Je comprendrai. Ouais, c'est les anneaux sacrificiels, là. Je sais plus comment ils appellent ça, là. J'en ai quelques-uns de ça. Normalement. J'ai jamais utilisé encore pour l'instant. Je sais pas à quel moment ça pourrait, je pourrais m'en servir. D'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir trois anneaux en tout? Est-ce qu'il va y avoir des slots pour... sacrificiels, c'est ça. Des slots pour pouvoir... bah en mettre d'autres, quoi. Non, Yoichi, on m'avait déjà prévenu pour les mimiques. Donc j'ai fait gaffe après. Mais je sais que ça peut one-shotter, quoi. Direct. Un truc pour pas finir à poil. Nero Snake, je pense pas. Hein. On va dire que la version HD m'a suffi. Je vais pas me mettre sur le mode. Le mode difficile là, de la PS1 en plus. J'ai trouvé ça bizarre. Mécanisme ne bouge pas, ok. Putain. Ça va être un monde de glace là? Ah ouais, c'est peut-être ça qui craint là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Putain, mais. Il est complètement gelé quoi. Allez, viens, allez, plus d'espace. D'accord, backstab, ça a pas l'air d'être ça là. Mille pour ça. J'ai peur de tout perdre, ouais. Piège incroyable. Préparez-vous. Bon, je suis obligé de crever, je pense, hein. Ça sent le boulet là qui va me poursuivre là. Non? C'est que cette merde là. Ah merde, vite! Putain, vite! Ah, fais chier, putain, c'est les lézards là. Attends, mais si j'ai tout ça à recourir en arrière. Tendu quoi. Je vais peut-être mettre l'anneau là, non? J'ai pas aussi le backstab là. Attends, je vais peut-être mettre. Ouais, enfin l'anneau pour 25 000. Est-ce que ça vaut le coup? En plus, j'ai pas d'humanité. Bon, ok, je mets un anneau parce que là vous m'inquiétez. ouais, s'en fout des drops. Mais franchement, j'ai pas beaucoup de dames, quoi. Putain, ça grimpe, hein. Bordel, je vois rien, quoi. Non, mais je sens qu'il y a une connerie là, c'est pas possible. C'est quoi ce sol? Ah, d'accord. Ah, oui, mais si c'est le boss, oui. Mort requis. Ouais, et ça repop à l'infini, ça, par contre, non? À l'inverse de Demon's Souls, je crois. J'avais cru lire ça. Oh, vache, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Putain, il est beau. Bon, bah, on va se le faire à l'arc alors. Attends, attends, il change sa petite. Peut-être pas aimé. Merde, non, il a pas aimé. On va se mettre là. Ah, d'accord. Ah ouais, faut le savoir ça. C'est mille et une spikes là. Bon bah du coup, ok. Putain, alors par contre j'ai pas du tout observé l'environnement quoi. Il y a peut-être un endroit où on peut monter en hauteur. Je suis où là? Ah ouais, attends, je suis à un nouvel endroit.
D'accord. Bref, t'es obligé de crever, quoi. Tant qu'ils sont pas morts. Ah d'accord, si tu les butes, les lézards, par contre, ils reviennent pas. Donc c'est pas... Faut quand même faire gaffe, quoi. À bien doser ce qui drop, quoi. Parce qu'il y a des trucs où faut faire gaffe pour le New Game. Enfin, pas New Game Plus, mais pour augmenter ses armes. Enfin, surtout pour les trophées, quoi. Non, mais là, je peux pas. De toute façon, il me faut pas mal. Embrasé, je m'en fous. Renforcé armure, de toute façon, là, je peux rien faire. Ouais, mais ça, je verrai hors live. Ah, si, je peux augmenter ça. Après, ça, par contre, je suis un peu newbie là-dessus. Hein, sur les équipements, qu'est-ce qu'il faut booster ou pas. Je connais pas assez bien là. Du coup, je me retrouve ailleurs. Ah, t'es obligé de crever, d'accord. Donc, c'était vraiment. Ouais, c'est vraiment le piège à la con, quoi. Putain, par contre, c'est quoi ça? J'arrive pas. Ah, c'est encore eux. Oh, ça aurait pu, hein. Peut-être avec la pyromancie, on a peut-être le temps de cramer les pics, quoi. J'en ai eu qu'un. Merde, merde. Bon, c'est bon. Ok, tout est verrouillé. Là, faut pas. C'est pas que non, quand même. Oh, ça fond pas. Ils arrivent à skipper toute la zone que tu vas faire. Ah ouais? Ils trouvent un espèce de glitch là pour passer. Bon, il y a... Je suis obligé de taper un peu partout là pour trouver sortie secrète. Là, là, c'est bizarre là cet enfoncement là. En train de péter mon épée, quoi. Ou alors je suis obligé de me téléporter, c'est ça? En fait là c'est une prison quoi, mais on peut pas s'en sortir. C'est un peu chiant si c'est ça. Alors, pour trouver l'armure qui te botte, faut le guide. Pff, ouais. Ouais, du coup je sais pas. Pardon, je sais pas trop là. Mais je pense que. On n'a pas le choix quoi. Ah putain, il y a les fameux serpents là, attends. Je pense que je touche juste pour le plaisir, voilà. Ok, super. Bah ouvre les yeux, je sais pas, ça s'est verrouillé. Y a un truc à shooter en hauteur. Putain, c'est quoi ce truc là-haut? C'est pas une porte ça. Oh putain, quel con, j'ai réactivé quoi. Attends ça. Hop. Bah, ouvre les yeux, ouais. Ah putain, d'accord, moi je pensais que c'était un glitch là. Le fait de pouvoir le buter. Ah ouais, d'accord, faut le voir aussi là, ça scintille. Ok, bon, très bien. Ah, tu le vois pas le truc qui scintille, hein. Excuse-moi, tu le vois pas quoi. Je pensais même pas que c'était possible d'avoir le serpent. Alors. Ok, j'ai libéré des méduses. Oula. Oh, mais ça c'est. De la merde ça. T'es pas mort. Putain, tu. Tu t'enfuis là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Allez, descends!
C'est de se barrer en fait. Alors attends, peut-être se barrer là, je sais pas là, parce que je vois des saletés là qui se rapprochent. Je vais faire comme les serpents là. Putain, ça a l'air super speed en plus là. Oh bah, c'est quoi ce bug? Ça a disparu quoi. Ouais, mais là, putain. Bon, bah, s'il est là. Verrouillé, ok. Là, il n'y a que dalle. Non, faut y aller. Bah, je sais pas ce que voulaient les serpents, là. Alors, ça aime pas les méduses, je sais pas. Attends, oui, je suis con. Il y a ça. Hop. C'est revenu? Ouais, bon, ouais, je vais m'affronter contre ça. On verra bien, quoi. Ça c'est one shot, ok. Putain, saleté, ça fait des sauts en avant. Ah putain, dégage. Non! Putain, j'ai confondu avec un autre jeu là pour le carré. Ouais, l'ambiance sonore est pas mal. Pourquoi j'ai encore humanité? Alors, je vais sauver un gars, mais il va vouloir m'attaquer. Normal, classique. On va visiter ça d'abord. Que dalle. Peut-être. Non. Pas d'entrée secrète, c'est bizarre. Chaud, je peux pas l'ouvrir, ok. Putain, mais en fait, je sais pas du tout où je me trouve. Hein. Si je suis dans un autre endroit de la zone, mais ça va être chaud là pour le boss, en fait. Je pense que, oh putain, c'est chiant. Voilà, c'est bon, je l'ai. J'arrive plus, les backstab ou quoi là, sans rire. Épée droite cristalline. Non, j'ai pas fait le cimetière, attends, je lis un peu. Ouais, non, c'est bon. Cimetière, non, pas encore. Ça descendait là-bas, je vais plutôt passer par là-bas. Il y a encore des méduses là. Elles bougent bizarrement quoi. Elles sont à moitié speed, c'est curieux quoi. Vas-y, on se le fait comme ça. Clé additionnelle, cachot, tour, archer. Enfin, je suppose. Ça me fait marrer d'ailleurs, il y a des noms parfois, c'est à rallonge. Enfin, surtout la première clé, quoi, tout au début. Le truc avec sous-sol, 2E, tout ça. Bon, trop de détails, quoi. Tireur d'élite, donc il y a un truc à shooter à l'arc d'ici. C'est ces merdes là. Attends, on peut les attirer peut-être. Attends ça. Non? Bon. Essayer feu. Ah, sensible au feu ça. Putain, vite. Ah, je me suis fait choper. Force de jouer au couillon. Alors, on va fuir. On va changer ça. On se retourne. Petite potion.
Ah, tu trouves qu'elle ressemble. Oh, elles sont plus chevelues là. L'autre, on voyait bien sa gueule et tout, là, on voit pas du tout leur visage. Elles étaient plus marrantes dans Demon's Souls avec la petite cloche. C'était bien stressant, ça n'empêche. Venez là. Par contre, j'ai l'impression que c'est peut-être les mêmes attaques. Je sais plus. Ça faisait vraiment mal les méduses en Demon's Souls, je me rappelle. Putain, c'est quoi cet endroit? Attends, je lis le chat en même temps. Non, tu es pas arrivé au boss, tu as encore du taf avant. Avant et R1 en même temps pour le backstab. Alors, t'es pas obligé de faire avant pour le backstab. À moins que tu me dises. Non, ça c'est pour le coupier, avant R1. Mais normalement, faut lâcher le bouclier et faire juste R1 dans le dos, quoi. Et il faut bien se placer, donc parfois c'est bizarre, faut se mettre un peu en biais pour que ça marche. C'est pas un trou ça, ouais. Bon, on est quoi dans un clocher là? Là par là, bizarre cette zone. Okay, je suis arrivé de là. On va aller par là. Donc il y en a d'autres. Qu'est-ce qu'elles ont? Elles sont bloquées là. Attends, on va essayer de se faire ça. Là. Putain, c'est pas comme ça que je voulais faire. Attends, alors du coup, l'autre pas morte. Sont plus solides hein, ceux-là. Ça, je sais pas ce que c'est. Miroir, lumière, sol bénéfique, ça me dit rien du tout. Des items à choper là dans cette zone? C'est compliqué, qu'est-ce que c'est que ça là? Attends, ça me dit rien du tout ça. C'est peut-être des clés. Attends. Non, même pas. Attends, non, c'est de la magie là que j'ai chopé. Ah ouais, c'est de la magie. Ah, c'est des miracles. Alors, du coup, là, j'ai rien du tout. Enfin, miracle, je crois qu'il faut être équipé. Bah, si, j'ai le talisman. Ouais, enfin, bon, je m'en fous un peu pour l'instant. Alors, attends. Ok, un mage à sauver. J'ai pas encore la clé. Putain, je voulais lire le message, bon tant pis, fuck. Oh putain, il y a un truc. Oh oula, attention. Ils ont pas pris cher là. Ah oh, putain, moi par contre, là je suis pas bien. Dégage. Fasse gaffe avec mes fioles là, j'en ai utilisé deux d'un coup, c'était pas terrible ça. Ok. C'est quoi ce truc blanc là? Ah, c'est un coffre. Non, c'est bon. Les grandes Porsche archives. Ça bah voilà, c'est pour sauver le mage, non? Attends, on va faire sonner ça là, ça va être rigolo ça, je sens. C'est un autre soufflé là? Attends. Non. Ah, c'est ça qui fait le son. Ok. Bon, faut l'arrêter alors. Ah, je pensais que c'était une musique dans le jeu. Non, en fait, c'est juste. C'est ça qui faisait le son, quoi.
Tu m'étonnes, ça devait être assez glauque, quoi. J'imagine, quoi, un son comme ça d'ambiance. C'est Space Up, putain, j'ai failli tomber. Déclenche la manivelle derrière. Tu parles de... bah, ça là ou y a encore autre chose? Non, c'est tout, hein. Par contre, le fait d'arrêter ça, je vois pas ce que ça fait avancer, quoi. Je comprends pas trop l'intérêt, en fait. Ça attire les méduses. Pas encore la clé. Ouais, enfin bon, en même temps, les méduses, ça m'inquiétait pas plus que ça, là. Bon, après, peut-être que ça bloquait un accès. Bon, du coup, je redescends, là, je vois pas ce que je peux faire de plus. Ah, peut-être que ça va faire venir les deux lézards, là, qui... Enfin, les deux... je les ai tués, quoi. Ceux qui voulaient ouvrir la porte. Bah, d'ailleurs, c'était peut-être la cinématique qu'il y avait au début, là. Par ici, non mais ça c'est bon. Parce que là je vois pas ce que je peux faire là. Je peux pas sauter dessus. Ça c'était verrouillé. Hein. Ah attends, oui t'as raison, j'ai chopé une clé. C'est pas ici. Alors c'est peut-être la porte tout en haut alors. Effectivement ouais, j'avais chopé une clé. Mais fais pas le malin, macaque, putain. Joue en live et tu verras que c'est carrément différent, quoi. Évidemment, sans aide du online. T'invoques personne et tu le fais, quoi. putain, c'est haut. Ok. En fait, les deux serpents, ils seraient restés devant la porte là. Si je les avais pas butés, ça aurait été chiant. On aurait fait tomber quoi. Ouais, pas à l'extérieur. Voilà, là c'est passé. Oh merde. Bon, toi tu me saoules. Putain, il y en a un autre. J'aime bien ça. Attention, gauche, droite, devant, ok. Bon. Ça, je l'ai dit un peu en retard. Bon, serait bien que je trouve un petit feu au moins, ou quelque chose. Là. Je fais du chemin là. Ou un raccourci, quoi. Alors, il y a quelque chose qui me tire dessus là, ouais, je l'ai vu. Oh putain. Allez, hop. 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 Et ben, je peux te dire, heureusement qu'il faisait une danse, hein. Par là, je m'en fous. Putain, ça a l'air grand là. Putain, il aurait pu m'avoir lui aussi. Putain, je regarde partout là parce que bon, c'est vraiment des vicieux quoi. Alors là. Oh putain, ça sent l'énigme, ça. Laisse-moi passer. Bon, tu veux pas. Putain, il y en a un autre qui m'a shooté.
Là, je pense, je vais me paumer un petit peu, je pense, mais il va falloir explorer quoi. Ouais, enfin bon, ça devrait aller quand même. Alors, le feu est sur un balcon en bas de la pièce principale. C'est-à-dire qu'après avoir fait tourner ça, peut-être que c'est en bas alors. Je suis pas allé là encore. Il y a un coffre là, non? Non, c'est bon. Mais en même temps, oui, c'est vrai que l'anneau. Il y a l'autre qui s'est sacrifié, je pourrais peut-être en mettre un quoi. Alors, celui qui donne des points de vie là, ouais, attends, c'est celui-là là. Si je me rappelle bien. En parlant de points de vie. Bon, c'est pas cet étage. Putain, alors je sais pas si cet escalier en plus, il peut monter de niveau ou pas. Bref, on va passer par là. Il meurt comment lui? Ah ouais, non, mais il y a deux pièces quoi. Putain, merde. Par contre, c'est saoulant ça. Ah, fais chier. Cul-de-sac. Ah d'accord, mais c'est là. Ouais, mais ça me fait mal ça, non? Oh putain, merde. Tant pis. On va se le faire comme ça, lui. Ouais, là, c'est que j'ai pris de fiole, quoi. On touche pas, là? Attends. Merde. Il a pas l'air de me toucher, moi non plus. C'est bon, j'ai un bon spot. Allez, on va se le faire comme ça. Mais putain, mais. Voilà, c'est bien. Ça bouge que d'un côté, de l'autre, mais tu fais plusieurs étages. D'accord, ok, bon, c'est pas comme le temple de l'eau dans Ocarina of Time, quoi. Enfin, même si la comparaison, peut-être pas terrible. Alors, bah du coup ça je bourrine quoi, faut que je descende comme ça. Ou je peux faire, j'aurais pu faire le tour. Bon allez, je vais faire comme si je jouais en solo. Je vais prendre le temps de faire le tour. Alors les gars, la magie, je me méfie, hein, ça fait vraiment perdre beaucoup de vie et j'ai pris de fiole, j'ai pas trop envie de faire le couillon quoi. Non, non, mais là, en bas je pouvais pas. Si je fais tourner l'escalier, peut-être. Peut-être. Ah, c'était bon. Bon, attends, je vais quand même voir là parce que je crois pas que je sois monté tout en haut. Ici. Ouais, non. Donc on va faire ça d'abord. Putain, il m'a quand même touché quoi. Voir, c'est lui qui m'a touché dans le dos. J'ai l'impression que ces ennemis-là, là, si tu les colles au corps à corps, ça te blesse quoi. Sans qu'ils aient besoin d'attaquer. On va peut-être faire une roulade pendant que ça tourne. Un truc bien con, non mais je suis con, c'est en haut déjà. Allez.
Putain, ouais, tu vas peut-être galérer, Narrow Snake, hein, sur le Master Quest, niveau de l'eau. Ça, je t'envie pas. Hein. Ouais, ça va. L'inconnu pire, c'est. Ah non, c'est un magicien, ça. Ah, mais c'est celui que j'ai buté à distance. Du coup. Enfin, non, c'est bizarre. Attends, mais non, mais c'est là d'où je viens, là. Non? Putain, je me suis encore paumé là. Attends, ça doit bien faire mal quand même. Par-dessus comme ça. Par contre, je descends un peu trop là. Je suis pas là. Je suis pas prêt de trouver le feu là. On remarque, je suis encore en hauteur. Allez, dégage. Oh putain, l'enfoiré de merde! Pas mort. Bon, ça passe. Non, ça passe pas. Oh putain, la vache! C'est quoi ce bordel? Bon, attends. Est-ce que je suis. C'est bon là? Bon. Je joue petit joueur, mais là. Oh putain, d'inventaire de merde. Attends, non, il faut que je fasse ça plutôt. Voilà. Oh, quoique j'avais encore de la vie. Bah oui, j'en ai gagné en le butant. Voilà, faut vraiment que je trouve le feu là. J'ai pas envie de tout refaire là, ça me saoulerait là. Plus facile un Master Quest, mais bon. Ouais, je sais pas. En tout cas, quand j'avais fait Ocarina of Time, moi ça m'avait un peu marqué. Hein. Ce temple de l'eau, ça m'a pas vraiment plu quoi. Je préfère par exemple. J'ai eu peur là quand j'avais fait Majora's Mask. Parce qu'il y a un temple aussi avec de l'eau, mais je trouve que c'était mieux foutu. C'était mieux foutu au niveau du level design et c'était agréable à faire. Temple de l'eau, je sais pas, j'ai eu du mal quoi. Ah, voilà. Putain, ça fallait le voir, hein, je veux dire. Sans le message, putain, je me suis pris une flèche. Sans le message, faut le voir. Alors, je sais pas ce que j'ai fait du coup. Ah, ok. Bon, est-ce que le feu est pas loin là? Ferais mieux de loquer. Putain, je ferais mieux de loquer. Il s'enfuit. Si c'est là-bas. Attends, j'y étais. Comment ça se fait là? J'y étais alors ici et. J'ai rien sauvegardé pourtant. J'ai pas fait de feu et il y a des ennemis encore. Comme si ça avait été. Enfin, je sais pas. C'est rien. On va monter. Attends, ça me dit quelque chose cet endroit là. Putain, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais ça y est, là, je suis revenu au boss là. J'ai raté là le feu. C'est pas là justement où il y avait le boss là où il y a tout le couloir et puis ouais non non je suis pas au bon endroit là. Putain en fait. Alors je vais aller tout en bas. C'est là où il y avait des ennemis donc. Et là. Vas-y, tire toi. Hop. Putain, toi tu vas te prendre aussi un dans la gueule. Allez. Crève.
Du coup, putain, il y en a un qui me dit d'y aller, l'autre non. Parce qu'en bas, c'est d'où je venais, quoi. Eh merde, putain, je vais crever. Allez, roulade, non. Oh putain, y a aucun qui est mort. Alors, attends. Ouais, bon, écoute, hein, je suis obligé, hein, parce que là. Par contre, il met 15 ans pour l'utiliser. Non, c'est bon. Ok, bon, je m'en suis sorti finalement. Bon, je sais pas où est le feu. Bon, viens, approche-toi là, ouais. Voilà. Putain, j'en ai plein là, de titanite scintillant là. Je vais pouvoir pas mal upgrader mon équipement, mais bon. J'hésite toujours à upgrader mes équipements parce que c'est pas le meilleur que j'ai, je pense. Donc il y a mieux à upgrader, quoi. Par contre, je sais pas ce que je vais faire tout en bas, quoi. Parce que c'est d'où je viens, ça c'est sûr. Puis je sens que c'est une connerie ce que tu me dis là, Yoichi, et tu dis qu'il y a plus de boss. Je vais me prendre les pics, enfin je sais pas, je le sens pas quoi. Mais je sais pas où aller quoi, parce que là du coup je pense avoir fait quand même bah, tout le cheminement avec les escaliers. Sauf si j'ai raté un truc. Surtout que je suis tombé en fait, donc je peux même pas remonter. Attends, mais je comprends pas, l'escalier il était bien quelque part là. D'accord. Descendre tout en bas mais de l'autre côté, donc faut trouver l'escalier. Oh putain! Qu'est-ce qu'il fout là lui? Par là quoi. Personne là? Si. Pourquoi il y a des loqués? Bon, je vais peut-être pas loquer non plus. Putain d'archer. Ah, c'était pas un coffre ça? Non, je croyais. Bon, fuck, hein. Allez, on y va. Ah bah voilà le feu. Ah mais c'était à l'extérieur le feu. Je crois que c'était sur un balcon mais en hauteur. Bon putain, super. Bon là par contre, je vais me faire un petit coup. Je vais continuer l'endurance. Hein, de toute façon. Attends, je lise le chat en étant safe. Ok. Ouais, non, mais c'est clair, avec le décalage, c'est pas forcément facile. Alors par contre, humanité requis, ok. Je n'en peux plus. Alors, est-ce que j'en... Non, je peux embraser ça parce qu'il faut que je me foute humain. Alors d'accord, donc on a trouvé l'endroit du feu. Il faut trouver la suite. Mais ça serait à l'endroit où il y a le boss alors. Du coup. Toute façon, je veux bien essayer ça maintenant que ça y est, j'ai trouvé le feu. Putain, t'es pas mort. Ah, il se protège bien l'autre. Attends, je vais me faire tuer. Parce que ça vaut le coup, je continue. Si peu de vie, je sais pas. Bon, j'ai bu
buter les archers, ça va me faire de la vie. Ah mais il était en bas l'archer, merde. Attends, non mais le boss est plus... D'accord, c'est plus loin. Bah tu vois, ça c'est le truc qui... J'aurais pas trop essayé tout seul quoi. Je me dis putain non, si je me réaffronte ce boss... Ou alors si j'y serais allé en essayant de comprendre comment l'avoir quoi. J'aurais pensé qu'il soit tout le temps au même endroit quoi. Là non. Donc là je vais tout remonter. Ou alors je peux y aller par là. On va voir. Je sais plus à quel niveau était l'ascenseur. Attends, parce que là il y a du monde. Ouais non, c'est là. Ah merci. Ok. Bon. Vas-y, alors attention, il y a quand même des ennemis là, je crois. Oh putain, vite, 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 vite. Oh putain, il a bien volé. Ah putain, par contre, je m'attendais à mieux comme genre de drop. Il a bien décollé quand je l'ai frappé quoi. Ah, plus de micro, ouais, mais je sais pas, ouais, il y a souvent, mais ça c'est le. Ah bah, il y a encore hein, le boss. Hein. Oh putain, je vais perdre mes humanités là. Attends, non. Il est butable? Ah non. Attends, je suis pas mort. Putain, il y a du ramage. Comment tu veux que je l'atteigne? Comment tu veux que je le touche, putain, ce sol. Bon, est-ce que je peux m'enfuir? Ouais, non, je suis mort. Bon, bah, c'était pas là, hein. Bon, c'est pas trop grave. Alors fais pas l'innocent, Yoichi, hein. Quand tu voulais fuir, hein, je pense que j'étais bloqué par le... Oh putain merde, y a pas de laser là? Je pense que j'étais bloqué par... Comment ça s'appelle? Pourquoi j'atterris là, au fait? Attends, oui, mais attends, je vais me téléporter. Allez, putain, c'est bon. Oh, ok. Bon, en même temps, j'avais pas... Là, j'avais rien à perdre, là, c'est pas grave. J'aurais pas eu l'âme, de toute façon le boss doit toujours être là quoi. Il est invincible, d'accord. Bon. Non, mais je vais me téléporter à l'eau de feu. J'ai peut-être oublié d'activer un truc. Bon. Déjà. Oh putain, super, bien joué ça. Alors. Oh putain, faut que je refasse tout le tour. Oh casse-couille. Putain, il servait à quoi l'autre feu dehors alors? Enfin, fallait juste pas se faire buter par le boss quoi, j'imagine. Putain, mais je peux te loquer 2 secondes là? Putain, vas-y, je suis à moitié mort, vas-y, bute-moi, ça sert à rien. Ouais, normalement ça se passe pas comme ça. Ouais, putain, regardez, regarde-moi ces 2 innocents là. Bah, après, je sais pas trop où aller quoi, parce que je pensais avoir fait. J'ai peut-être pas tout fait avec les escaliers, mais. Y a pas d'autre endroit quoi, je pense pas. Putain, mais ils ont trop de balance là. Je peux pas les arrêter quoi.
Bon, c'est pas grave, j'ai assez de vie. Allez, toi, tu vas m'en donner un peu, toi aussi. Hop. Ah, voilà. La clé additionnelle. Permet d'ouvrir ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? D'accord, juste pour une âme. Je m'attendais à un truc de mieux quand même. Conspiration, c'est clair. Tu devrais continuer à droite à l'autre feu. Lui revenir, on ne sait pas pourquoi, lol. Bah si, parce que. Enfin, revenir. On me disait que le boss était plus là. Hein? Un aller-retour évidemment. Bon, vas-y, je cours hein, parce que merde. Super long le chemin là. Putain, elles sont toutes revenues. Attends, qu'est-ce que je fais? Ok, bon, dites rien. J'ai oublié l'échelle. C'était marrant de voir toutes les méduses là qui bougeaient pas. J'ai pas vu combien ça donnait d'âmes les méduses, mais là y a de quoi farmer quoi. Normalement il est plus là car il est ailleurs, mais non, pas sur ma version. Hein. Normalement, le chemin c'est faut aller au boss ou plutôt ce que tu disais d'aller à droite. C'est peut-être forcément que j'ai pas visité une zone qui s'est passé ça quoi. Putain, à chaque fois je me fais avoir par cette flèche là. Putain, puis y a d'autres cons là qui est revenu. Oh, putain, vite. Attention, attention, attention. Allez, putain, prends-toi un backstab. Ah, pas marché. Tant pis. Il fait quoi là? Ah putain, c'est vrai que ça se téléporte ça. Oh putain, je suis mal. Il va me faire chier lui. Il est où? Bon merde, fais chier. Non mais là couillon, je peux pas t'atteindre là. Allez, téléporte-toi, je sais pas, fais quelque chose là. En fait, il vit super bas. Non? Non, pas forcément. Je vois pas sa barre de vie. Il devrait être bon là.
pas sa barre de vie, quoi. Il a plus rien là. Ah. D'accord. En dehors avec plein de golems. 800 les méduses, ouais, bon, ça vaut pas vraiment le coup, hein. Par rapport au chevalier d'argent. Alors attends, parce que là, blabla. Donc en fait, il faudrait que j'aille ici, là, que je descende là. Je vais prendre ces escaliers là. Putain, il y a encore le. Je sais pas ce que ça fait, ces danses déjà. Là, s'il vous plaît. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est bon ça. Allez à droite du feu parce que là, sur le balcon, on peut rien faire. C'est un gars. Ouais. Alors attends, ouais, faut continuer près du feu que tu as trouvé. 4-3, ça a ramené de l'aide. Ok. Bon. À droite du feu. Ah, ça va pas dans quel sens, hein. Pas grand chose en bas. Mais là, y a pas d'échelle, quoi. Oh putain, il vient d'où, lui? Attends, ça y est, tout le monde qui a popé là. Je sais pas d'où ils viennent. C'est derrière une colonne, d'accord. Attends, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a du monde là. Une sorte d'échelle là, j'imagine. C'est sous l'escalier. Attends. Putain, mais je sais pas d'où ils viennent, ces cons là. Ouais, dégage toi. Putain. Bon, il est où là, ce connard là? Fait chier, putain, j'ai la flemme de monter. Putain, je pensais. Rien là. Ouais, c'est que t'as pas ouvert. Attends, faut que je lise là. Vous cherchez un moyen d'ouvrir la bibliothèque. Bon, fallait s'y attendre, hein, que je me paume. Bon, alors toi, où es-tu là? Archer de merde là. Pas de manivelle là par là? Après, vu que je suis descendu comme une brutasse, ça se trouve, je peux même pas remonter, quoi. Enfin, faut que j'aille de l'autre côté, attends, par là.
En voilà un déjà. Oh putain, bien joué ça. Allez, hop. Ah d'accord, il était. Enfin, je le vois plus, mais c'est vrai qu'il avait l'air d'être à demi-hauteur. Alors c'est bizarre que je le vois plus. Putain, j'arrivais pas à le loquer lui. Continue à monter. Oh putain. Ah, plein crâne. Oh putain. Oh, fais chier, putain. Vas-y, t'es où? Merde, je te croyais là. Là-haut. Putain, c'est bizarre. Oh putain, mais je voulais pas faire un saut, je voulais faire une roulade. Oh, fais chier. Putain, ça c'est chiant quand tu cours, il est obligé de faire un saut quand t'appuies sur la roulade, quoi. Bon, bah tant pis. Je vais encore en faire un petit peu, mais après je m'arrêterai bientôt là. Putain, 4h15, ouais, non. 4h15 de live, ça va quoi. J'ai dépassé mon record là. Ah, ça c'est cool, par contre, je réatterris là. Bon, je vais tracer un peu plus vite là. Si au moins je savais où fallait aller. Voilà, c'est bon. Hop, vous avez vu. Vous êtes là, c'est bien. Continue à gauche, un petit magicien là. Non, non. On va se faire lui d'abord. Hop, c'est bon, tu m'as raté. Continue, toi t'es content. Hop, hop, moi aussi je sais faire. Ah bien, tu drops toi. Non, je voulais continuer en haut. Donc là, il y en a un. Je vais le loquer, merci. Magicien de con là. Putain, il a rien perdu quoi. Ah, il y a mon âme. Attends, je vais aller chercher ça. Que ça tire là. Voilà. Alors. Alors attends, fais voir. Mort des suites de son décès. Je pense qu'il faut que tu bouges l'escalier près de toi dès le début. Bouge cet escalier, d'accord. Je commence à être crevé aussi. Alors tu dis que c'est à mi-hauteur de où je suis mort. Donc là je suis à mi-hauteur là. J'étais mort. Putain, attends, ça a tourné, j'étais mort là. Marc, c'est quoi cette ouverture là? Ah, attends, c'est quoi ça? Oh, cet endroit là, j'y étais là? Attends, par contre, il va me faire chier. J'aimerais le loquer là, s'il vous plaît. Ah là, merci. Oh putain, c'est ridicule. Oh putain, ça m'énerve! Ah là! Putain, ça garde pas le lock. Allez, continue. Voilà. Mais pourquoi le lock s'est barré encore là? Oh, c'est horrible. Bon, allez, laisse tomber, ça me saoule. Ouh, putain, ce lock. Parfois, je comprends pas.
pas ça perd de focus là. Ça perd de focus. C'est épique. C'est-à-dire, il est tout maigre aussi, ce con là. Allez, là, tu vas prendre cher là. C'est bon. Bon, c'est n'importe quoi. Allez, on continue. Est-ce que c'est là d'où je viens? Je sais pas. Normalement, t'es bon, c'est ici. D'accord. Et. Oh putain, attends, tu dis des conneries là? Tu dois. Attends, je dois sauter des escaliers quand ça bouge? Oh, c'est conneries là. Attends, il y a un truc là. Il y a une manivelle là. Ah bah voilà. Ça devait être ça, non? Du coup, je peux sauvegarder. Enfin, je suis pas trop mal. J'ai pas envie de réinvoquer les monstres. C'est bon ça. Ah bien ça. Maître. Je sais pas ce que ça veut dire ça. D'accord, mais ça c'est pour récupérer un item spécial peut-être. Je le ferai plus tard ça. Ça va aller pour le live. Je vais pas tenter des trucs comme ça. Putain, c'est quoi ça? Une autre manivelle. Classe. Attends, par contre, j'ai vu des trucs bouger là en dessous. Allez hop. Putain, il arrive à me toucher. Il doit avoir une petite attaque là, rapide, frontale. Prisme. C'est quoi ça si je peux. Si j'ai le temps de voir. Putain, j'ai trop de trucs dans cet inventaire. Ah mais si j'ai. Ah putain, c'est les cailloux. Ça, je m'en suis jamais servi de ça. Bien. On va essayer ça, puis on verra bien quoi. Attends, sauvegarde, tu vas crever après. Bah, de toute façon, j'ai sauvegardé au feu. Donc, c'est bon. Non, mais c'est bon pour la sauvegarde. Je suis à côté, hein, c'est au même feu. Enfin, je crois. Ouais, puis merde, on verra. Oh putain! Ah, c'est traître, ça aussi! Alors, je suis retourné. Merde. Ça s'est mal joué. Putain, il y en a plusieurs. Oh là là. Bien. Ça, par contre, je l'ai rarement vu cette attaque là. Putain, mais je l'ai flingué vachement plus vite à Noir Souche quoi. On dirait que je suis à Noir Souche, mais au jour quoi. Peut-être Blanche Source. Souche plutôt. Putain, c'est pas. Blanche Souche. Putain, j'ai du mal à le dire. C'est énorme. Voilà. Enfin bon, j'en suis où là? Tu vas devoir t'en servir de quoi, attends. C'est bien, tu vas crever. T'as raté un coffre au-dessus. Bon, c'est pas trop grave, j'imagine. Putain, l'aller-retour.
Allez. Qui est le plus mal là? Les deux sont pas bien. Je devais m'en servir de quoi? Attends. Voilà. Ouais, enfin, je sais pas si je vais faire un prochain donjon. Hein. Franchement, là, j'avance, mais je vais bientôt m'arrêter. Je suis un peu trop. Je dépasse un peu trop là, au niveau du live. Puis surtout, je suis crevé, quoi. Et si, il faudra. Bah, c'est bien, j'ai la clé mort. Caverne de cristal, putain. Par contre, ça va, je glisse pas à mort. Putain, attends. Attends, comment ça marche là? Ça, oh merde. Oh putain, c'est quoi ce bug? Il était coincé quoi. Putain, la PS3 elle aime pas trop hein, les. Putain, mais attends, j'ai pas compris là, il faisait des mouvements bizarres là, mon perso. J'ai l'impression qu'il perdait son équilibre. Des cailloux, se servir des cailloux. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux. Merde, il y a des faux sols, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait comme chemin? Putain, comme chemin là. Ah oui, c'était l'escalier qui va vers le bas. Ah oui, c'est ce coffre-là que j'ai oublié. Effectivement. Ah putain, ouais, en plus c'est une clé quoi. Alors ça du coup, ça ouvre peut-être la porte où il y avait toutes les méduses, non? Enfin, je verrai ça plus tard. Tiens, je suis. Non, ça, j'y suis allé. Il y avait rien derrière. Il y avait un coffre, hein, c'est ça. Bon. On va y retourner. Putain. C'est quand même super grand, hein. Enfin. Ce Dark Souls, je trouve que les environnements sont énormes. Et tout est connecté, c'est ça qui est bien foutu quoi. Bon, à part si y en a qui font moins connectés, comme justement à Norlondo, si je me gourre pas dans le nom, hein, à chaque fois je dis ça, mais je me rappelle plus trop, où là on est obligé de passer par des gargouilles pour y aller quoi. Je crois que c'est des gargouilles qui nous emmènent là-bas quoi. Mais à part ça, tout est connecté quoi, c'est vraiment c'est énorme. C'est clair que c'est pas même gargouille, hein. Il y a des attaques que je connais pas comme ça quoi. Pourtant ils y ressemblent, hein. Même skin quasiment quoi. Et la clé pour le mage, d'accord. Il y a du peuple là. L'achever tout de suite, ça a vachement de vie en fait. Attends, je suis
quel moment il fait là des retours? Ah c'est bizarre putain, en fait je... Il sert à rien que je me batte contre eux. Je pensais qu'ils planquaient une âme, quelque chose comme ça. En fait, il n'y a rien du tout. Bon, c'est pas grave, ça m'a permis de farmer un peu une titanite bleue. Ah, dire que tout ça n'existe pas en speedrun. Si tu racontes. Sur Dark Souls, si, il y a du speedrun. La zone de Crystal, tu vas crever plein de fois. Enfin, peut-être qu'il le skip en speedrun, cette zone, je sais pas. Je regarderai un speedrun une fois que j'aurai fini au moins une fois ce jeu, quoi. Je vais pas me spoiler plus que ça, quoi. Oh putain! Ah, ouais, alors là, fallait s'y attendre. Bon, faut que j'en bute un là, voilà. Putain, mais. Putain, y'en a un qui a atterri là, je sais pas d'où. Voilà. J'ai vu du mal, enfin de plus en plus mal les distances là. Putain. Putain, je me suis fait toucher là. Putain, laisse tomber. J'arrête pas de consommer des fioles. Je suis même pas arrivé jusqu'à la glace là. C'est quoi ça? C'est un arbre? Oh, c'est quand même. Là, c'est pas super bien fait quand même, hein. Il n'y a pas eu trop d'efforts là-dessus. Essayez foudre. Cœur requis. Hop, ça c'est pris. Alors, je dois descendre par là, je suppose. Ouais. Je peux loquer, ouais, c'est bon. Allez, hop. Ça fait bien mal par au-dessus. C'est bizarre là. Faut bien regarder là parce que on voit pas bien. J'espère qu'il faudra pas atterrir sur un pilier un peu en dessous hein, comme ça parce que c'est pas facile à voir. Bravo, rentre devant. C'est marrant ce petit son là. C'est pas un lézard qui fait ça là, par hasard. Attends, non. Une bonne partie on y pense, il y a sûrement un feu à la caverne de... Ouais, j'espère. Non, il n'y a pas de feu de camp dans la zone de cristal. Bon bah merci. Aucun espoir quoi. Putain, alors j'espère que c'est pas trop long. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est le boss! Putain, attends. C'est le boss ça! Je vais shooter le crâne, je sens que c'est une connerie ce que je vais faire, mais bon. Oh putain, ouais. Oh putain. Merde. Ah. Je sais pas ce que j'ai fait comme connerie là, mais. Ah, c'est quoi ça? Bon, je vais suivre les traces. Putain, c'est à l'arrache là, je sais pas s'il me tire dessus l'autre toujours. Putain. Bon, je sais pas, je suis les traces. Ouais, enfin, là, il n'y a plus rien là. Ça dit quoi ça? Passage. Bon bah j'y vais. Putain. Ah oh, putain mais ça me suit là. Je sais pas si c'est lui qui est au-dessus là mais. Putain c'est un gros lui non? Il est assez différent non des autres celui-là.
Ouais, c'est pas sûr, remarque. Oh putain, et puis y'a l'autre qui se rapplique. Oh, fais chier, putain, j'ai utilisé pour rien là. Ah, ça va être tendu là. Quoi? Ah merde, j'avais plus de vie. Bon, bah je me suis fait avoir par... c'est le papillon là qui m'a fait peur aussi. Là. Bon, ça a pas l'air très long, ouais, comme tu dis. Mais je vais tracer... espérant que les golems me suivent pas là, parce que bon, ça va être long. Genre lui, Joseph, quoi. Oh, attends, attends, merde. Pas me laisser avoir par ça, c'est bon. Pas trop loin. Heureusement que j'ai de l'endurance, quoi. Hop. Bon, faut que je me requinque quand même. Putain, attends, mais c'est là, ouais. Bon, c'est un peu BDI là, je pense qu'il y a plein de monde derrière moi. Ah, alors lui, comment je l'ai passé? Passer en faisant ça là, hop. Je pense qu'il vaut mieux pas se retourner pour savoir s'il y a du monde derrière moi. Bon, le papillon était là, hein. Tu restes là, toi. C'est là qu'il faut les cailloux, alors j'imagine. Je sais pas s'il y a du monde qui me suit là en fait. Ils sont tous là, mais bon. Passage droit devant, en fait, faut marcher tout droit. Mais c'est que là, je sais pas s'il y a un truc au fond. Putain, mais il y a plein de. Il y a des papillons partout en fait. Bon, on va continuer. Je devrais peut-être porter un truc plus sympa. Attends, est-ce qu'il me suit? Merde, s'il me suit. Bon, je peux plus. Je devrais porter l'anneau qui permet de. Ah putain, d'accord. Je courais sans doute pas droit là. J'ai porté l'anneau là qui permet de marcher discrètement là. Ça va peut-être me sauver un peu ça. C'était l'anneau assez cheaté d'ailleurs dans Demon's Souls. Enfin, de souvenir. Là, je sais pas si c'est bien mis en avant dans celui-là quoi. C'est l'anneau qui permet. Attends, qui est. Putain, je sais plus du tout son nom. Je crois que c'est ça, ouais. Là, quand on court, déjà, on fait pas du tout de bruit, quoi. Et puis le bruit, il a de l'armure. D'ailleurs, c'est un truc qui fait bizarre, ça, justement, d'avoir du boucan quand on court, alors qu'on est mort. Donc, dans Demon's Souls, on fait pas de bruit quand on est mort, quoi. C'est rare, quoi. Enfin, moi, je me mettais rarement en humain dans Demon's Souls, donc... pas trop habitué à entendre autant de bordel quand je cours. J'aurais dû m'équiper des cailloux du coup. Putain, c'est quand même pas évident. Hein. Bah bon, j'ai réussi une ou deux fois, mais après je vais arrêter quoi. Putain, je suis coincé. Putain, c'est où? Allez! Les sphères, hop! Alors, comment ça marche ça? J'ai rien vu. Ok. Bon, bref. Par là. On va vraiment faire du tout droit, quoi. Je sais pas trop là.
Putain, ça aide pas trop quand même, hein. Ça pourrait être mieux. Alors là, je sais pas, mais je pense qu'il n'y a plus de message. Enfin, en tout cas, merci aux joueurs d'avoir mis des messages pour m'aider, quoi. Parce que ça. Oh putain! Quel connard celui-là! Ouais, bon, tant pis, hein, je vais m'arrêter là. Je suis naze. Et puis, ça dure depuis longtemps, là. Mais bon, bah, j'ai avancé un peu, quoi. De toute façon. Je pense que je suis pas loin d'un boss quand même. J'aurais avancé dans cette zone. C'est bon, j'ai déverrouillé là, le raccourci, donc j'aurai pas de soucis demain pour le faire, quoi. Ok, bah écoutez, je vais m'arrêter là donc pour ce live. On peut se retrouver sur le chat. Ça va être chiant à découper là, ça fait vraiment très long là comme live, mais bon, bah, de toute façon, je l'avais prévu. Merci beaucoup d'être passé. Ah ouais, il a sauté avec moi là le golem, j'ai même pas vu ça. Énorme. En tout cas ouais, merci d'être passé donc sur ce live, j'espère que ça vous a plu et puis donc bah j'en referai d'autres prochainement. Ça me plaît toujours d'en faire et puis ça me permet comme ça de découvrir des nouveaux jeux et puis pour vous aussi également. À part Dark Souls là, c'est plus de la torture pour finir le live quoi. Bah merci Yoichi, Narusnek également, et puis Macaque sans doute. De toute façon je pense que vous êtes que 3 à être encore sur le stream. Ah non, Radmo aussi. Ah merci. Donc bah, on se retrouve sur le chat et sinon bah, je vous dis à la prochaine.